Ok, voilà, donc je suis content évidemment de pouvoir m'exprimer par rapport à la reprise du championnat provincial liégeois. En tant que président de la commission provinciale des arbitres, on organise aujourd'hui donc une journée de reprise destinée à communiquer à tous les arbitres, aussi bien en équipe d'âge qu'en équipe Fanion, les nouvelles instructions relatives à la saison qui va donc arriver. Ce qui est important cette année, c'est le mot d'ordre, je dirais, au niveau gestion terrain, c'est absolument lutter avec beaucoup beaucoup de sévérité contre la brutalité. Je pense aux semelles en avant, je pense au duel du coude, lorsqu'il y a une impulsion du coude. On ne veut plus voir ça sur notre terrain de football. Il est impératif qu'on puisse lutter contre cette violence. Le mot d'ordre, c'est un des mots d'ordre. Le deuxième mot d'ordre, uniformité. On essaye d'année en année d'uniformiser aussi bien l'arbitrage que la manière dont nous, formateurs, on va voir nos arbitres pour pouvoir aussi là progresser dans ce domaine. Et enfin, et c'est peut-être là le plus important puisque ça concerne la grosse majorité de nos matchs de jeunes, avec une très très grosse modification au niveau de la réglementation en matière de jeunes, où là, les clubs, aussi bien les clubs que les arbitres, vont devoir s'habituer absolument à tous ces changements qui sont assez fondamentaux. Également les feuilles digitales pour tous les matchs. Voilà, et alors on va avoir ces feuilles digitalisées dans tous les matchs officiels d'équipe de jeunes et d'équipe première. Et au niveau des jeunes, quelle est la principale modification, globalement parlant? C'est ces fameuses modifications en durée de match. Donc il va y avoir plusieurs mi-temps, 2 fois 15 minutes, 2 fois 20 minutes, des changements en bloc par exemple que les entraîneurs devront faire. Ça pose évidemment pas mal de problèmes par rapport à cela. J'imagine que ceux qui ont pondu cette réglementation ont des raisons certainement louables pour pouvoir avancer dans ces matchs de jeunes. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup.